dit allez, salut, au revoir. Thank you.
c'est vous, le lion récalcitrant. Le récal quoi? Le lion récalcitrant. Le lion récalcitrant est un lion qui pousse dans les forêts de polypropylène expansé. Le lion récalcitrant est dangereux. Mais voici, pour la première fois aux arènes de Lutèce et devant vous, un lion récalcitrant en semi-liberté. Il est mignon, hein? Ben voyons. Oui. Il est parfaitement apprivoisé. C'est ça. Maman, oui. Coucou. Hein? Moumine, donne la papate. Donne la papate, coucou. Donne la vie gentille, coucou. Deviens grave, la coucou. Hein? Oh oui. Coucou. Ne quittez pas. Ne quittez pas. J'ai la situation bien en main. Il n'y a aucun problème. Je règle juste un dernier petit détail. Thank you.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Cirque Plume, conscient de sa vocation éminemment culturelle, a résolu de vous présenter sans plus attendre... sur les mystères de la création musicale. L'ingénieux dispositif que ce modeste technicien est en train de mettre en place va vous permettre d'assister en effet à la reconstitution historique du son qu'entendait Ludwig van Beethoven lorsqu'il composait. Vous êtes prêt, Jean-Sébastien? Très bien. Eh bien, je vous demanderai donc de simplement les encourager bien fort. Voici le plus petit quatuor du monde. Non, attendez, parce que je me suis un petit peu égaré. Je suis un petit peu...
je chausse ma lunette. Je chausse ma lunette. Dites, on va pas retarder le début du commencement à chaque fois parce que vous oubliez vos lunettes. Là. Et un, et deux. Oh, attendez parce qu'on a dû s'égarer dans les... Vous croyez? Ah! C'est effectivement... Corps douche.
chanson de verre, tu séduis la lumière. Quand ta main qui tourne dans l'air poursuit la trace de la mort, la flamme se change en éclair et te donne l'aurore.
mesdames, le maestro va maintenant sauter dans son cerceau. Je t'en prie, on est moi aussi. Thank you.
vous remercie de votre chaleureuse participation et vous souhaite une nuit soyeuse à Franche d'Orche.